Les fourmis charpentières, je pensais que ça faisait juste faire des tunnels dans du bois humide ou poreux ou là où il y a de l'humidité par l'infiltration d'eau. Mais ici, il y a quelque chose de spécial. Ils font des galeries dans du styromousse aussi. Fait que regardez-moi ça là. Tout ça là, c'est du travail des fourmis charpentières. Ne pas accumuler du bois à proximité de la maison. Ne pas laisser pourrir le bois de chauffage, déraciner les vieilles souches en décomposition qui sont à proximité de la maison, combler les fissures au niveau des fenêtres et des portes, faire très attention aux infiltrations d'eau car l'humidité attire les fourmis, ranger les aliments dans des boîtes hermétiques, s'assurer qu'il n'y a pas de branches d'arbres ou de vignes qui touchent la maison, s'assurer de ne pas laisser une fourmilière à proximité de la maison prendre de l'ampleur et surtout inspecter régulièrement les angles des murs de votre maison.